De l'humanité. En ce temps-là, les animaux y parlaient comme les hommes et ils vivaient ensemble. Et comme il faut se marier pour se reproduire, eux aussi, ils se mariaient. Alors le roi avait décidé de marier sa fille. Elle était belle comme tout. Vous savez, les princesses sont toujours les plus belles. Hein? Elle était gracieuse, noire, avec de belles dents blanches, dont le sourire était capable de réveiller un cadavre. Oui, je veux dire, imaginez ce sourire-là, comment il devait être magique. Ses cheveux étaient crépus, comme tout beau cheveux d'une noire. Elle avait une démarche altière. Elle était gracieuse, elle était ci, elle était ça. Je vous laisse imaginer le reste des qualités qu'elle devait avoir en tant que princesse. Et le roi avait dit: celui qui va épouser ma fille, c'est celui qui sera capable de briser un palais. Quand le rhinocéros a entendu ça, il dit: mais franchement, il a ri de sa corne. Il dit: mais le roi là, sa fille là, j'ai l'impression qu'elle n'a pas assez de valeur à ses yeux. Briser un palais, mais ça c'est une petite affaire. C'est moi qui serai le futur gendre du roi. Et à la clé, il y avait le trône, c'est-à-dire que celui qui épousait la princesse, automatiquement, il devenait le roi. Alors le rhinocéros a dit: je pense que c'est moi le futur roi. Ah, moi la belle vie. Je vais me faire servir comme un pacha. Je vais aller me présenter. Le gorille a entendu ça. Il dit: mais franchement, je crois que c'est moi le futur roi de ce pays. Mais briser un balai, mais c'est une petite affaire. En 2-3 mouvements, j'ai réglé ça. Et chacun, dans sa chaumière, dans son terrier, était sûr qu'il était le futur candidat au trône. Le jour est arrivé. Tout le monde était là. Des plus gros aux plus petits, des moyens aux plus insignifiants. Même les moustiques étaient capables d'épouser la fille du roi. L'éléphant s'est levé, tout majestueux qu'il est. Il dit: bon, je pense qu'il faut que je dise quelque chose. Parce que je vois des minus ici, là. Je vois la goutille, je vois le rat. Vous aussi, vous venez compétir avec nous? Vous savez que moi, l'éléphant, avec ma tronche, en un temps plein mouvement, j'ai déraciné un arbre. C'est pas un petit palais qui peut m'effrayer. Le ministre de la Communication a dit: bon, le balai est là. Alors l'éléphant, il vient, il prend le balai, il enroule sa trompe autour du balai. Rien. Il essaie une deuxième fois. Rien. Et là, il commence à être un peu frustré. Sa dignité de pachyderme vient de prendre un coup fumant devant tous les animaux. Là, il commence à barrir de frustration et de fureur. Le chargé de communication, les animaux disent: bah, je pense que tu as fini de faire ce que tu avais à faire. Libère le plancher. L'éléphant s'en va tout grognant. Le chef, le gorille, vient, se tape la poitrine d'abord, comme vous savez qu'il fait là. Il prend le balai, pas rien. C'est sérieux l'affaire. Il prend le balai, il le prend bien comme ça, et puis fait rien ne se passe. Ah, lui aussi, on lui dit: monsieur, libérez le plancher. Et ainsi de suite. Les gros animaux, la panthère, le guépard, tous ces animaux-là, le dromadaire, même l'ours du Canada s'est présenté. Dis, moi je vais essayer. Je vais ramener la lionne chez moi au Canada. Et l'ours, on sait qu'il est un gros animal. Il prend le balai, il fait la même affaire, rien.
Là, il se sent frustré, insulté. Il dit, bon, là, là, ça, c'est le Canada même qui est atteint. Il appelle l'Orignal. L'Orignal arrive, même affaire. Le Wapiti, le Caribou, personne. Là, les petits animaux se disent, mais si ceux-là, ils n'ont pas pu, là, c'est que nous autres, là, tous les Mougou-Mougou, là, qu'est-ce qu'on peut faire de nous? Mais là, le chargé de communication dit, mais il n'y a pas un autre animal, là, qui est capable de venir briser ce tout petit balai? Personne ne se bouge dans les gradins. Et on voit arriver le lion. Et là, les petits animaux, ils se sentent solidaires de ce petit animal. Mais lui, il peut faire quoi? Il veut le lion. Le lion n'a pas pu. L'éléphant, le caribou, l'ours, tout cela, ils n'ont pas pu. C'est trop petit lièvre là. Mais quand même, ils ont eu envie de le soutenir. Ils ont commencé à applaudir pour l'encourager. Il y avait un peu de crainte. Mais en même temps, il y avait de l'espoir dans les applaudissements. Le lièvre vient. Et à la surprise générale, il s'assoit par terre, bien confortable, il prend le balai et il commence comme ça. Il y a un silence dans les gradins. Mais personne ne comprend. Mais où est-ce qu'il va? Ben, je ne vais pas y casser tout mon balai parce que je vais. Et il casse les brindilles une à une. Pendant ce temps, la princesse, elle était richement vêtue, elle se demandait, mais je ne vais pas me marier un jour, quoi. Le lion, lui, il avait maintenant un sourire aux lèvres, un sourire de satisfaction. Un sourire comblé. Et le lièvre a cassé les brindilles une à une jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balai. Parce qu'on sait que le balai, c'est l'ensemble de brindilles. Mais s'il n'y a plus de brindilles, c'est qu'il n'y a plus de balai. Le roi a dit celui qui allait briser le balai, il n'a pas dit comment. C'était le résultat qui importait. Alors quand le lièvre a fini de briser toutes les brindilles, le roi a dit, je vous présente mon gendre et le futur roi qui va gouverner vos vies. Imaginez la joie des petits animaux, les agoutis là. Enfin, les chauves-souris, les rats, tous ceux-là, ils étaient contents comme ça, ils ont commencé à chanter. Vous allez m'aider à chanter, vous allez répondre, yémi yémi yé, ça va? Oui. Yémi yémi yé. Yemi yemi ye mansebo kaebo. Yemi yemi ye mansebo kaebo. Yemi yemi ye. Non, c'est tout de suite. Déjà, c'est fini, c'est quoi? Yemi yemi ye. Yemi yemi ye mansebo kaebo. Yemi yemi ye mansebo kaebo. Yemi yemi ye mansebo kaebo. Yemi yemi ye. Donc les animaux étaient contents comme ça. Ils viennent d'avoir le roi. Et le roi a pris la parole. Il dit, je viens d'avoir celui qui va gouverner, qui va vous gouverner comme il se doit. Alors je vous invite la semaine prochaine au mariage et à l'intronisation. Et les animaux sont dispersés. Parce que le roi ne pouvait pas dire devant tout le monde pourquoi il estimait que le lièvre était celui qui était capable de bien diriger ce peuple. Et le soir, il a invité son futur gendre. Bon, c'était déjà fait à la limite, mais officiellement, il n'était pas encore intronisé. Donc, il a reçu chez lui. Et il a dit à la fille, il dit, tu vois, je voudrais que celui qui va diriger sache que la solidarité est un frein quand on veut diriger un peuple. Et le lièvre l'a bien compris. Pour diriger un peuple, il faut le diviser. Alors, prendre brindille par brindille et briser, ça fait que le peuple est mort. Les autres animaux ont pensé qu'il suffisait de faire ça. Mais le balai, on a beau le tordre dans tous les sens, il ne se casse pas. Mais quand on le prend brindille par brindille, on réussit à le briser. Alors le lièvre était la personne indiquée qui savait déjà qu'on pour diriger, il fallait diviser. Et en faisant ce geste-là, il venait d'envoyer un message à l'humanité. Et c'est ce message-là que moi je vais vous envoyer ce matin. Ou cet après-midi.
pour cet enfant. Le ballet est symbole de solidarité. On a beau tordre un ballet dans tous les sens, jamais on ne réussira à le briser. Mais une brindille toute seule, comme vous avez vu, on est capable d'en faire une bouchée. Et c'est ce que les gens font dans nos pays. Ils nous divisent. Et nous, on se laisse diviser. On se laisse diviser. C'est pourquoi ils réussissent. Le jour où on va avoir assez de grandeur en nous, parce que chacun veut être, moi je veux. Le jour où chacun va mettre au devant l'intérêt commun, on va devenir un palais. Et le jour où nous allons devenir un palais, ça n'est fini de l'oligarchie mondiale. Je vous remercie.